Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour faire une petite mise au point et vous adresser mes plus sincères excuses. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un détecteur d'électricité statique. Mais grâce à votre vigilance et à vos commentaires pertinents, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Ce détecteur est en réalité un détecteur de charge électromagnétique. Je tiens donc à remercier chaleureusement tous ceux qui ont pris le temps de me signaler cette erreur. Vos retours sont incroyablement précieux et m'aident à m'améliorer continuellement. De plus, en remplaçant le transistor BC547B par un BC557, j'ai constaté que la LED s'allume lorsqu'on approche un câble alimenté par le secteur. C'est une autre leçon importante que j'ai apprise grâce à cette expérience. Ne vous inquiétez pas, je prévois de réaliser un véritable détecteur d'électricité statique dans une future vidéo. J'ai hâte de partager cela avec vous. Je suis vraiment désolé pour cette confusion et je vous suis très reconnaissant pour votre compréhension et votre soutien. Votre engagement me pousse à vérifier davantage mes informations et à partager des contenus encore plus fiables et enrichissants. Merci encore pour votre patience et votre bienveillance. Restez connectés pour plus de vidéos et d'expériences passionnantes à venir. À très bientôt.